peintre et sculpteur originaire de Taïwan, Ah Soon-woo s'est d'abord intéressé à la culture chinoise. Il a cherché ensuite dans les sociétés traditionnelles, en Papouasie, en Amazonie ou encore en Afrique de l'Ouest, des formes d'expression artistique qu'il réinvestit dans sa propre création. Hommes et femmes ne représentent rien d'équivalent à ce que peut voir un œil humain. Les deux figures se veulent la projection en deux dimensions de statues primitives. L'assemblage de courbes et de droites prend valeur de signe à partir duquel se reconstitue dans l'imaginaire un corps et un visage. Qui est homme, qui est femme, les deux masques semblent aux prises dans une tension dynamique, à la fois ensemble et opposée. De même, entre les couleurs, l'énergie puissante du rouge rivalise avec l'intensité du jaune et se trouve canalisée par le noir. Ah Soon-woo cherche dans les cultures traditionnelles des signes qui véhiculent énergie et vitalité. Son œuvre, à l'instar de celle de Willem de Kooning, compte au nombre des tentatives primitivistes initiées depuis le début du XXe siècle pour rendre à l'œuvre d'art sa puissance active.